Arrivé à Alberobello, il fait pas si froid qu'on le pensait. On va aller visiter les petits troulis. Les troulis d'Alberobello sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des ruelles entières avec ces petites habitations coniques en pierre sèche, typiques de la région des Pouilles en Italie. Pour la petite histoire, ces maisons étaient construites sans mortier afin d'être facilement démontables en cas de visite des autorités. À l'époque, le royaume de Naples imposait une taxe sur les structures permanentes. D'ailleurs, sur un grand nombre d'habitations, on retrouve aussi des symboles comme des croix, des soleils. Chaque motif a une signification particulière. Vous trouverez à Alberobello un panneau qui explique chacun d'entre eux, que ce soit pour se protéger des mauvais esprits ou même pour apporter bonne fortune au foyer. Nous avons eu la chance de visiter Alberobello pendant les fêtes de fin d'année et le contraste du blanc des habitations avec le rouge de Noël, ça apportait vraiment un petit charme. Après ce début dans l'ambiance italienne, nous avons continué sur des spots dodo plutôt agréables pour traverser la botte et ensuite rejoindre Pompéi au matin. On regarde une sorte de pétanque italienne. Et voilà, première pizza en Italie. Nous venons d'arriver à Pompéi et nous allons visiter la ville après avoir visionné le petit C'est pas sorcier ce matin. Pompéi est une ancienne ville romaine située en Italie. Il y a longtemps, il y avait une énorme montagne appelée le Vésuve qui surplombait Pompéi. Un jour, en l'an 79 après Jésus-Christ, ce qu'on croyait être une montagne, le fameux Vésuve, s'est révélé être un volcan. Il est entré en éruption et a recouvert Pompéi de cendres et de lave chaude, laissant la ville enterrée pendant des siècles. Bien des années plus tard, alors qu'une nouvelle ville a même été créée, l'ancienne ville de Pompéi a été découverte. La conservation est incroyable, du fait de la cendre qui l'avait recouverte. Les rues, les maisons, les magasins, même les objets du quotidien étaient toujours là, figés, dans le temps. On retrouve par exemple la boulangerie avec le four et les contenants, mais aussi le bar, où venaient s'accouder les villageois. Vous pouvez ainsi vous promener dans cette ville, qui est un véritable musée à ciel ouvert. Au sol, on y voit encore les traces des chars avec le passage des roues. Les trottoirs qui permettaient de traverser d'une ruelle à une autre sont aussi caractéristiques de Pompéi. Bien qu'en revenant de Grèce, les visites de sites historiques commençaient à s'accumuler à encore une de plus, Pompéi, c'est quand même Pompéi. On a tous été surpris. Vous avez bien sûr le théâtre en plein air, mais surtout le forum, cette place publique qui était le centre de vie avec les temples, les bâtiments administratifs principaux. Mais surtout, la vue sur le Vésuve. D'ici, on devine si bien cette forme volcanique et ce chapeau. En continuant dans les ruelles, vous trouvez de nombreuses maisons. Parmi les plus célèbres, il y a la maison du Faune, la maison de Vétille ou encore la maison des Amants. Mais toutes les maisons ont leur petit charme. On a vraiment l'impression d'y être lorsqu'on y entre. C'est incroyable. Des fresques murales impressionnantes qui comptent les histoires de la vie de l'époque, leurs croyances, leurs traditions. Cette conservation loin de l'activité humaine nous remet toujours en question. Vous avez aussi les thermes qui valent le coup d'y faire un petit détour. Et petit à petit, on se rend vite compte qu'il y a pas mal de kilomètres à parcourir dans cette ville. Mais tout y est indiqué, il y a des panneaux partout qui vous permettent de suivre où vous êtes grâce au plan. Même avec un GPS, vous avez les principaux lieux d'identifier.
On a ensuite continué la visite vers la Villa des Mystères, une grande maison dont les fresques n'ont pas encore trouvé d'explication claire d'après nos recherches. Il faut savoir aussi qu'à Pompéi, les fouilles ont révélé des corps humains surpris par l'éruption volcanique. Ils sont restés là, figés, dans des positions qui nous font froid dans le dos. En effet, les corps décomposés ont laissé un vide dans l'amas de cendres qui a permis aux archéologues de reconstituer les corps humains par des moulages en plâtre de façon intacte, avec des expressions de visage troublantes. Un arrêt dans notre remontée de l'Italie qu'on ne risque pas de regretter. Et maintenant, c'est parti pour aller à Rome, et pas en courant. Il fait nuit et on est quasiment arrivé à Rome, il nous reste 15 minutes pour rejoindre l'air. On laisse Malabar notre camping-car sur une petite aire en périphérie de Rome. Et on prend un train juste devant qui nous permet de rejoindre la capitale facilement. Bon, faire la surprise pour les fêtes à Noël aux familles, c'est difficile parce que leur dire qu'il fait chaud, qu'il fait encore 20 degrés, qu'on est en Grèce alors qu'en fait on est en Italie et on se gèle, ah bah c'est compliqué. Hein. Allez, c'est parti, on va à Rome. On a pris la poussette et franchement, il y en avait besoin. On commence la visite de la capitale par la basilique Saint-Jean de Latran. L'intérieur est magique. On en prend déjà plein la vue. On passera ensuite devant le majestueux Colisée. Malheureusement, on n'ira pas le visiter. Ni même le forum à côté. Déjà qu'habituellement on évite le monde, mais alors là si tu veux y aller, c'est le vrai bain de foule. Et on est hors saison. J'imagine même pas en été. Ce qui est fou en Italie, c'est que même lorsque tu te promènes d'un lieu à un autre, il y a des vestiges impressionnants de partout. Au fait, en parlant de bain de foule, on a quand même réussi à aller lancer notre petite pièce dans la fontaine de Trevi. Après la pause des petites gambettes, on continue, admirant les arts de rue qui, avec cette ambiance de Noël, nous donne l'énergie dont on a besoin. Car c'est pas fini, on passe devant le temple d'Adrien avant d'arriver au Panthéon. La vue du dôme de l'extérieur, de ses colonnes sur le devant, en plein cœur de la ville de Rome. Waouh! Le patrimoine italien nous étonnera toujours. Et nous voilà passés devant le Panthéon, on continue le chemin. Il y a des fontaines un peu partout, tout aussi jolies les unes que les autres. Et toujours cette ambiance féerique de Noël. On s'imagine déjà faire la surprise à nos familles pour les fêtes. Oh, ça va être trop bien. Et malgré le froid, on n'échappera pas au petit arrêt glace en Italie. De quoi reprendre des forces pour repartir sillonner la capitale à pied. Allez, on passe devant l'église Sainte-Marie de la Paix pour les passionnés d'architecture et puis on reprend le chemin à travers les ruelles italiennes où l'on rencontre un joli contraste entre les petites Fiat Panda et les tenues vestimentaires de certaines. Nous voilà arrivés au palais de justice de Rome. Il y a un meeting de politiciens dans le coin et il nous faudra faire du coup un sacré détour pour aller jusqu'à la cité du Vatican. Les files d'attente nous ont découragés donc on ne va pas aller faire la cité du Vatican, ce sera pour une prochaine fois. Et donc, on rentre à l'air. Et sur le retour, on fera un petit crochet par la Villa Borghese qui mériterait à elle seule une après-midi entière. Et voilà, on termine la journée de la visite de Rome avec plus de 30 000 pas au compteur et on est bien fatigué. Après avoir fait les tâches du camping-cariste, les fameux services, sur l'aire où l'on dormait, on se décide enfin sur l'arrêt suivant, ce sera les sources chaudes de Saturnia. Bon, on dirait pas parce qu'on a les pulls, mais on va en direction des cascades du moulin de Saturnia et on va aller se baigner. Depuis l'air, on peut aller à pied jusqu'aux sources d'eau chaude. Ça se fait très bien, surtout quand c'est les enfants qui poussent la remorque. Le décor de ces piscines naturelles chauffées est vraiment exceptionnel. Les eaux jaillissent
à une température avoisinant les 37 degrés. Et la légende dit que c'est le dieu Saturne lui-même, dieu de l'agriculture, qui a frappé le sol avec sa foudre pour créer ses sources chaudes. Un cadeau du ciel, dans cette ambiance si douce. Et même si on n'était pas seul dans les thermes, on ne sentait pas tant la présence envahissante de la foule. Le fait est qu'il y a pas mal de petites peignoirs avec un nivellement, a permis de s'y sentir bien. Il y avait en revanche pas mal de petits moustiques moins cool. D'ailleurs, ces sources chaudes permettraient de soulager les douleurs articulaires, d'améliorer la circulation sanguine, favoriser la détente, le bien-être. C'est malheureusement à partir de là que j'ai commencé à voir mon état s'aggraver. Vous verrez ma tête dans la suite de la vidéo. Ce matin, on s'est fait une petite route qui serpente et maintenant on est arrivé à Pise et on va visiter. À ce moment-là, j'étais déjà pas très bien. La route qui serpente, une maladie attrapée dans les sources d'eau chaude, peu importe. Pise, c'est Pise, hein. On peut pas passer à côté. Alors avec un peu de geocaching pour dynamiser la visite, on s'avance vers la tour penchée. On s'est promené un petit peu dans les ruelles à Pise et franchement il y a des endroits vraiment trop beaux avec des bâtiments qui sont magnifiques. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour dans Pise. Et voilà, ce matin à la fraîche, je vais faire quelques courses pour les fêtes de Noël. Heureusement que j'avais fait les courses avant parce que 2 heures après, je ne pouvais plus bouger du tout. Bon, ben, c'est compliqué parce que on a beaucoup de symptômes du Covid. Alexis et moi, on est très fatigués, on a très mal à la tête, on a de la fièvre. Alexis a même vomi. Et donc on est toujours dans notre remontée en direction de la France, on est quasiment à la frontière italienne. Et ben, on essaye de se reposer tant bien que mal. Et puis la loi de je ne sais quoi a fait que c'est toujours quand t'es en galère que tout arrive en même temps. Voilà que le fil de la caméra de recul s'est coupé. Oh, ça devient une habitude, à chaque voyage on a le droit à un petit fil différent qui serpente sur l'autoroute. Et nous voilà bientôt en France. Et voilà, on vient de remonter toute l'Italie, on n'a pas trop filmé parce qu'on a été malade. Ça fait 48 heures que je suis clouée au lit et Alexis aussi a été bien malade. Donc là, bah, on arrive, on est en France. On va aller se poser sur une aire en attendant pour faire la surprise pour les fêtes à nos familles. Surprise, nous sommes malades. Et voilà, on est le 24 au matin, on a réussi à se cacher jusque là, mais cette fois-ci on s'est rapproché, on est vraiment tout près de la maison. On va essayer de se cacher encore un petit peu jusqu'à ce soir et même jusqu'à demain pour faire la surprise à toutes les familles. Et voilà, on a repris la voiture, on est en direction de chez Tati pour aller faire les surprises. On est chez Tati Rosine, on est caché dans la chambre, on va faire la surprise à mamie. Et pendant ce temps-là, le Père Noël est passé dans le camping-car. On ne remerciera jamais assez ceux qui nous ont permis de faire la surprise à nos familles. Que ce soit Tati Rosine, Tonton Roland ou encore Tonton Quentin. Merci, merci. Merci d'être toujours là pour nous. Et voilà, notre road trip en Grèce se termine avec cette remontée par l'Italie et ces moments pleins d'émotions avec nos familles. Nous avons déjà plein d'autres projets en tête et comme on se plaît bien à vous partager nos souvenirs et à vous faire voyager avec nous, on prévoit bientôt de vous partager d'autres vidéos. Alors abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à bientôt. Joli.